Hello. Donc, une petite vidéo pour. Alors, il m'est arrivé un truc amusant il y a pas longtemps. On s'est retrouvé sur Facebook et sur le net avec un vieux copain que j'ai pas vu depuis 20 ans, et même plus peut-être. Et alors, qui a douté, qui a émis des doutes d'avoir trouvé la bonne personne. Donc, je le rassure tout de suite. C'est bien moi, c'est bien de moi qu'il s'agit. Je ne suis pas un hologramme. Si je me pense, aïe, ça fait mal. Et donc, voilà. Je ne suis pas une invention, il s'agit bien de moi. Alors, pour achever de le convaincre, je vais donner quelques détails. J'ai bien eu au lycée Joffre à Montpellier, il y a bien longtemps, maintenant, 30 ans en arrière. J'ai bien eu au lycée Joffre à Montpellier un professeur de langue anglaise qui s'appelait Monsieur Gruet. Donc, ça peut lui rappeler des souvenirs. Et qui roulait en Land Rover, hein, qui avait une certaine ressemblance avec l'acteur qui incarne le personnage de Magnum, s'il s'en souvient. Et nous avons eu ensemble une professeure de français qui s'appelait Madame Brot. J'allais dire de sinistre mémoire. Car elle nous a fait bien des misères, voilà, avec d'autres tortionnaires de mauvais élèves. Donc, il peut être rassuré. Je peux aussi lui dire qu'il existait il y a fort longtemps, peut-être ça n'existe plus aujourd'hui, au fond de la vallée de l'Oisans, un épicier absolument redoutable qui s'appelait Aristide. Donc, si tout ça lui rappelle des souvenirs, ben, il pourra se rendre compte qu'il s'agit bien de moi, donc, et que je suis la bonne personne hein, qu'il a trouvée sur le net. Bon, pour le reste de ce petit bulletin d'infos, ben, disons que sur Facebook, vous aurez remarqué, ça fait un petit moment que je n'ai pas mis d'image d'œuvre, de toile hein, ou de sculpture. Bon, ben, la raison est simple, d'abord, évidemment, mais c'est pas. C'est pas une justification, mais j'ai eu plein de choses à faire, beaucoup de rendez-vous. Et ensuite, en fait, j'ai pris du temps pour tranquillement collecter des images, hein, faire de nouvelles photos et préparer de nouvelles images en vue des prochaines toiles. J'ai même l'intention d'aller prendre des photos à Paris, dans certaines soirées. Parce que les prochaines toiles vont être assez orientées sur le thème de la fête. Hein. Donc, ce sera très festif, disons. Disons-le. Ce sera assez festif. Sinon, à part ça, ben, donc évidemment, ça, je m'y remets bientôt. Et dès que possible, hein, je mets de nouvelles images, hein, je mets de nouvelles photos. J'ai même pensé réaliser une petite vidéo. Sur les peintures et les sculptures. Bon, sinon, ben, ça va bien. Heureusement, je peux faire tout ça parce que quand même, ma situation de santé s'est améliorée, notamment la situation ophtalmo. Ça va quand même mieux. Hein. C'est pas encore le top. C'est pas encore génial, génial. Hein. Le chemin est long, la route est longue. Hein. Mais on a quand même bien avancé avec le médecin, donc. Au moins pour moi déjà pouvoir recommencer à travailler sur les toiles et sur les vidéos et les dessins, c'est un grand pas en avant, on va dire. Pour le reste, à part ça, ma reconstruction va bien, on va dire. Elle se poursuit lentement mais sûrement. Et ça aussi, bah, ça fait beaucoup de bien et j'ai appris récemment par une équipe, donc. En toute logique, j'aurais achevé cette reconstruction dans un an, donc au mois de septembre. Ce qui est pour moi évidemment une grande nouvelle qui me remplit de joie. Non, c'est vrai. Mais voilà, dans les histoires de santé, de toute façon, il faut s'armer de patience. Et vraiment, s'armer de patience et puis y croire. Parce que ça sert et il faut mettre la chance avec soi. Bah pour le reste, ça va bien, rien de plus. Bah, si on a l'occasion de se rencontrer, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu depuis longtemps,
parce qu'il y en a d'autres parmi vous que j'ai pu voir hein, récemment, ce qui m'a fait très plaisir d'ailleurs. Alors, sinon, pour les autres, ils verront que je suis bien un personnage en chair et en os, hein, et pas une fiction. Voilà. Bon, mais rien de plus. À très bientôt. Juste une seconde de plus, évidemment, pour vous présenter Crisus, hein, la petite Minou, qui est toujours hein, ma fidèle compagne. Hein, et qui commence, qui entame un ronron. Donc, un ronron de Crisus, hein, ça ne se refuse pas. Pour ces raisons, ben, alors là, vraiment, je vous dis au revoir. Et à bientôt.